Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de devenircertifié.com qui sera consacrée au modèle TCP/IP. Ce ne sera pas une seule vidéo parce qu'on aura traité de beaucoup de sujets concernant le modèle TCP/IP et ça, c'est une première vidéo. Je vous explique un peu comment ça se fera. Cette première vidéo est consacrée aux bases de TCP/IP. On va faire un aperçu général des protocoles constituant le modèle TCP/IP et les différentes adresses dont on aura besoin pour la suite de nos didacticiels. Ceci dit, nous allons commencer d'abord par une comparaison entre le modèle OSI et TCP/IP. Si vous vous souvenez un peu, durant la présentation du modèle OSI, on avait dit c'est un modèle en couche qui définit les fonctions réseau permettant l'interopérabilité entre différents constructeurs d'équipements. Mais entre griffes, je vais dire entre griffes parce que même le TCP/IP est basé sur le modèle OSI. Le modèle OSI étant trop théorique, son implémentation ne se fera pas toujours pareil. Et donc, c'est de là qu'on aboutit au modèle TCP/IP. TCP/IP, comme vous pouvez le constater, qui est aussi un modèle en couche, et donc quelque chose qu'il a déjà de commun avec le modèle OSI, et qui définit aussi des fonctions réseau permettant l'interopérabilité d'équipements provenant de différents équipementiers. TCP/IP est parti du réseau ARPANET, qui est ARPA en fait, c'est Advanced Research Project Agency, qui est l'agence de recherche du ministère de la Défense américain. Et c'était parti de leur réseau qu'ils ont construit le TCP/IP. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, vous allez voir que la couche application de TCP/IP regroupe les trois couches d'en haut du modèle OSI. Les couches application, présentation et section du modèle OSI se retrouvent toutes dans la couche application du modèle TCP/IP. La couche transport, c'est pareil, ça n'a pas changé. La couche réseau est devenue Internet et les couches liaison de données et physique du modèle OSI sont appelées, enfin, sont représentées, assurées, cette fonction, la fonction de ces deux est assurée par la couche AC réseau du modèle TCP/IP. Et donc voilà un peu les similitudes qu'on peut déceler. Et dans la suite, nous allons voir la pile de protocoles qui constituent TCP/IP. Vous allez voir que c'est juste presque la même chose par rapport au modèle OSI. Et donc, on va passer au slide suivant. Ici, comme vous pouvez le constater, nous avons d'un côté ici le modèle OSI. Et de ce côté, nous avons la pile de protocoles TCP/IP. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est en anglais. Ici, l'AC réseau, Internet, transport et application. Vous avez vu ici, ça c'est la pile de protocoles de la couche application, qui sont des protocoles pardon qu'on avait vu aussi dans le modèle aussi Telnet, FTP, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, FTP pour le transfert de fichiers, ceci pour le transfert des mails, DNS Domain Name System, Routing Information Protocol qui est un protocole de routage, SNMP, Simple Network Management Protocol, qui est un protocole de gestion de réseau. Ici, à la couche transport, vous avez vu, ça n'a pas changé. C'est toujours les deux protocoles TCP, Transmission Control Protocol, ou bien UDP, User Datagram Protocol.
Ah, j'ai oublié de vous dire, TCP/IP, en fait, c'est la combinaison des deux protocoles, Transmission Control Protocol, TCP/IP pour Internet Protocol. Internet Protocol est un protocole réseau qui permet de découper les informations à transmettre, en paquets, les adresser et les transmettre indépendamment. Et une fois à la réception, tout sera regroupé pour pouvoir recomposer le message de départ. Donc ici, vous avez TCP, vous avez UDP. Ici, toujours Internet Protocol, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez ICMP qui est un protocole de contrôle qui est utilisé pour véhiculer les messages de contrôle et d'erreur dans la pile de protocole TCP/IP. IGMP est un protocole, sa définition c'est Internet Group Management Protocol, qui permet à des routeurs de déterminer de façon dynamique, je dirais, les groupes multicast qui disposent de clients dans un seul réseau. Toujours au niveau de la couche Internet, vous avez ici AMP qui est un protocole de résolution d'adresse. Descendons maintenant à la couche accès réseau. Ici, vous avez les technologies Ethernet, Token Ring, Frame Relay et ATM. Des technologies de la couche accès réseau qui utilisent des types d'adresses bien données et tout. Quand on sera au niveau des LAN, on va beaucoup plus parler de Ethernet, mais pas trop de Token Ring et de Frame Relay. Frame Relay, oui, une partie du programme de CCNA couvre sur Frame Relay, mais pas beaucoup. Et donc voilà un peu brièvement présenté les protocoles qui constituent la pile TCP/IP. Du moment où nous avons une idée des protocoles maintenant, on va s'intéresser cette fois-ci à ces deux couches d'en bas et les notions d'adresse qui interviennent au niveau de ces deux couches. Parce que pour la suite de nos didacticiels, on en aura besoin et donc on va parler brièvement de ces notions d'adresse. Ceci dit, on passe. Voilà. Notion d'adresse TCP/IP. Sur ces deux couches, accès réseau et Internet, vous avez deux types d'adresses. Vous avez les adresses IP et les adresses MAC. Attendez, je vais changer la couleur. Voilà, c'est mieux parce que le truc est déjà rouge. Et donc, nous avons les adresses IP et les adresses MAC. Les adresses MAC, c'est quoi? C'est les adresses qui sont utilisées au niveau des réseaux LAN, utilisées par les technologies Ethernet, ATM. Plus, quand on sera au niveau des réseaux LAN, on va en parler. Mais là, je vais vous donner déjà quelques notions des adresses MAC qu'on retrouve au niveau des réseaux LAN. Les équipements de couche 2, par exemple, un switch qui a un équipement de couche 2 utilise, ne reconnaît que ses adresses, utilise des adresses MAC pour déterminer où envoyer les paquets qui lui sont envoyés à transmettre. Et donc, les adresses MAC sont des adresses physiques. Physiques, pourquoi? Parce que c'est des adresses qui sont gravées, hard-coded, comme on dit en anglais, sur les interfaces réseau. Chaque interface réseau que vous prenez a une adresse MAC. Et l'adresse MAC, ce n'est pas logique comme l'adresse IP où qu'on peut modifier soi-même. C'est durant la fabrication de votre carte réseau que cette adresse a été gravée là-dessus. Et cette carte, elle est unique, elle a cette adresse unique. Le format de l'adresse MAC tient sur 48 bits. Des 48 bits, voilà comment c'est écrit. Et les XX sont des chiffres hexadécimaux. Avant d'aborder plus en détail les adressages IP, je vais publier une petite vidéo pour faire de petits rappels sur les systèmes de numération base 2, la base 10. Dans la base 10, par exemple, vous avez les chiffres de 0 à 9 pour écrire les nombres.
Dans la base 2, vous avez 0, hein? En hexadécimal, vous avez de 0 à 9, puis de A à F. Et donc, une adresse MAC s'écrira en hexadécimal. Donc, vous allez retrouver dans vos adresses MAC des chiffres comme ça, pardon, des chiffres et des lettres qui vont les composer. Nous allons voir. Attendez. Par exemple, je prends ceci, cette adresse. Nous avons dit que ça tient sur 48 bits. Et ici, là, divisé, vous avez divisé en deux. Vous avez ici les 24 premiers bits et de ce côté encore, vous avez 24 bits. Ces premiers 24 bits désignent ce qu'on appelle l'OUI, qui est Organization Unique Identifier. C'est un numéro unique qui permet d'identifier chaque fabricant d'interface réseau. Ça veut dire que si vous prenez tout équipement, enfin toute interface réseau provenant de chez Cisco et dont Cisco est l'équipementier, vous allez remarquer que cette partie OUI sera toujours la même. Et cette ce numéro d'identification est attribué par l'I3E. L'I3E. Et comme vous pouvez le constater, il ne reste que 24 bits pour avoir le nombre d'adresses MAC possibles par équipementier. Nous allons faire un petit exemple. Je vais prendre l'adresse MAC de ma carte réseau et ensemble, on ira sur le site de l'I3E pour voir, à partir de l'OUI, pouvoir identifier le constructeur de la carte. Voilà. Je vais ouvrir déjà une interface DOS. Attendez, je la ramène bien dans le champ. Voilà. Et là, je tape une commande sous Windows pour voir votre adresse MAC. Vous tapez ipconfig all slash all ipconfig slash all. Les interfaces réseau, j'en ai un nombre vraiment important. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, mon adresse MAC, l'adresse MAC ici, vous allez voir l'adresse physique. Elle est là. Ça fait E4 11 5B 2C AD OC. Voilà mon adresse MAC. Adresse MAC de l'interface physique que j'utilise. Et donc, nous allons relever ces premiers 24 bits et aller sur le site de l'I3E pour voir quelle organisation cela nous permettra de voir. Ici, alors. Voilà le lien. Nous y sommes. C'est ici, vous avez, vous voyez, ça c'est les 24 premiers bits dont je vous parlais, qui identifient, vous avez le constructeur qui est ici. Par exemple, si vous avez des équipements Cisco, vérifiez un peu, vous allez voir que ça commencera, les adresses MAC commenceront toujours par 00000C. Nous allons chercher
ce que nous avons vu tout à l'heure sur ma machine, qui est E4, 11, 5B. On y est. C'est ça. C'est un HP. Vous voyez que le constructeur de la carte, c'est HP. Parfois, vous pouvez avoir un ordinateur d'une autre marque pendant que la carte réseau, l'interface réseau qui est dedans, provient d'un autre constructeur. C'est bien possible. Donc, voilà un peu l'illustration que je voulais vous donner par rapport à l'adresse physique. Quand on sera au niveau des LAN, on verra bien l'utilisation de ces adresses. Mais déjà, après cette étape, je vais vous parler un peu de comment s'utilisent ces deux adresses. On va faire un cas pratique où je vous expliquerai comment ces deux adresses s'utilisent concrètement sur un réseau pour transmettre des paquets. Ici, vous avez les adresses, les fameuses adresses IP, Internet Protocol, les adresses utilisées par le protocole Internet Protocol. La notation ici, contrairement à ce que c'est pour les adresses MAC, c'est des chiffres de la base 10. Ici, trois chiffres séparés par un point, ainsi de suite. Et on les appelle des octets, parce que ça fait 8 bits en fait. Et ici, vous avez les XX là qui varient de 0, c'est-à-dire un octet varie de 0 à 255. Donc ici, vous avez ces 3XX, ça varie de 0 à 255 sur 4 octets. Donc vous pouvez vous imaginer le nombre d'adresses qu'on peut avoir si on a 4, 4, pardon, 8, 8, 4 fois. 4 fois 8, ça fait 32. Ça nous fait approximativement 2 à la puissance 32, moins quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Moins quoi? Et pourquoi il faut... Bon, peut-être qu'on ne rentrera pas trop dans les détails parce que ça fait partie des prochaines vidéos qui vont venir plus tard. Mais je vous donnerai quand même un bref aperçu de pourquoi quand on élève à la puissance du nombre de positions, il faut retirer deux. Une adresse pour le réseau et une adresse pour la diffusion ou le broadcast si vous préférez, c'est la même chose. Donc voilà la notion, brièvement la notion, présenter la notion de ces deux adresses qu'on aura beaucoup utilisées au niveau non seulement de TCP/IP, mais tout ce qui est réseau, surtout l'adressage IP. Je vous assure, pour votre certification Cisco, dès qu'on vous sonne automatiquement, vous répondez adressage IP. Si vous comptez bien passer les certifications Cisco, il faut bien les maîtriser, mais on va faire énormément d'exercices là-dessus, des cas pratiques qui vous permettront de vous exercer et de mieux maîtriser. Nous avons vu sur le slide précédent que c'est une suite de bits qui forment 8 bits, qui forment un octet et qui va de 0 à 255. Ceci, par exemple, c'est une adresse IP. Mais l'adresse IP a des différentes parties qu'on doit distinguer. Quand je vous donne cette adresse, elle n'a vraiment de sens qu'avec un masque. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un masque de sous-réseau qui est ici. Quand je vous dis, voilà, je vous donne telle adresse, en fonction du masque de sous-réseau que j'ajoute à cette adresse, elle peut appartenir à un sous-réseau ou à un autre. Ici, vous avez cette adresse IP qui fait 192.168.1.100. Si je lui applique un masque 255.255.255.0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 .
Je laisse ça en suspens et je descends ici. Vous avez vu cette adresse? Le masque que nous lui avons associé. C'est ça ce que j'ai écrit là-bas. Mais comment l'ordinateur peut savoir j'appartiens à tel réseau? Parce que si je mets cette adresse IP, 192.168.2.100, ces deux adresses n'appartiennent pas au même réseau. Mais comment l'ordinateur arrive à savoir, voilà le réseau auquel j'appartiens? Je vais déjà vous scinder les deux parties d'une adresse IP. Il y a ce que les anglophones appellent le host ID et le net ID. Les adresses IP sont constituées d'une partie réseau et d'une partie hôte, hôte pour la partie adressable. Et comment vous le savez, c'est à partir de votre masque que vous arrivez à identifier où se trouve la partie hôte et où se trouve la partie réseau. La partie réseau vous est signalée par des 1 au niveau de votre masque. La partie host vous est signalée par des 0 en binaire. Je raisonne bien entendu en binaire au niveau de votre masque. Et donc, quand je vous donne cette adresse IP et que je ne vous donne pas de masque, comment vous saurez quel est le réseau ou le sous-réseau auquel appartient l'adresse IP? Difficile, n'est-ce pas? Parce que c'est ici, par exemple, c'est une suite de 1-1-1 sur 8 positions, donc un octet qui vous donne 255. Pareil ici, pareil ici. Et donc, je dirais que la partie réseau de cette adresse IP, la voilà. Et partant de là, je dirais que mon réseau a pour adresse 192.168.1.0. On en viendra plus en détail parce que c'est des notions qui peuvent très vite devenir ambiguës. Mais on fera beaucoup d'exercices, énormément d'exercices pour faciliter la compréhension. Donc je disais, si j'applique ce masque, ça veut dire que je n'ai que des 1 au niveau du premier octet, que des 1 au niveau du deuxième octet, que des 1 au niveau du troisième octet. Bien entendu, dans mon masque, je parle par rapport au masque. C'est ça qui génère les 255. Et quand je vois un truc comme ça, je dis mon adresse, sa partie réseau, c'est ça. Et ça, c'est la partie hôte. Et donc ceci, c'est l'adresse, c'est le numéro si vous préférez, qui identifie de façon unique un ordinateur dans ce réseau-ci. Vous allez voir parfois des notations du genre 192, 168, 2, 100 par exemple, slash 24. C'est pour signaler, c'est toujours le même masque qu'on écrit comme ça. On appelle ça la notation CIDR. Ça vous permet de savoir que le nombre de bits, ceci en fait désigne le nombre de bits de la partie réseau qui se retrouve être combien ici? Nous avons dit ces 255 font 1-1-1-1-1 sur 8 positions, un octet. 8, 8, 8, 3 fois 8, 24. C'est ce qui vous donne cette notation. Permettez-moi d'effacer ceci et nous allons aborder ce dont je parlais tout à l'heure par rapport là. Tout à l'heure, je disais, quand une machine, on lui assigne une adresse IP, comment la machine arrive à identifier, voilà le réseau auquel j'appartiens. Parce que cette machine, je suppose, ça c'est une adresse assignée à une machine. Nous, on lui donne 192, 168, 1, 100. Avec le masque 255, 255, 255, excusez ma façon d'écrire. 0. L'ordinateur a souvent besoin de savoir quel est
le réseau auquel j'appartiens. Mais comment il le sait? En faisant un et logique entre l'adresse IP et le masque. Le et logique lui permet de savoir, de connaître l'adresse du réseau. Le et logique, c'est quoi? C'est la fonction logique qui dit, on a un 1 si et seulement si les deux membres sont à 1. 1 et 0, ça donne 0. 0 et 1, ça donne 0. 0 et 0, ça donne 0. 1 et 1, ça donne 1. Si nous l'appliquons ici, vous allez voir, amusez-vous à convertir tout ceci en binaire, encore qu'on va faire des exercices sur les conversions entre les différentes bases, ça pour vous faciliter la compréhension des adressages IP. Vous verrez que celui-ci, le et logique, vous donnera ça, 192. Ici, ça vous donne 168. Là, vous aurez le 1. Et ici, puisque nous n'avons que des zéros, d'office, vous n'aurez que 0. Ce qui vous donnera, quand vous faites le et logique, pardon, ça vous donnera comme adresse du réseau 192.168.1.0. Et c'est ce que l'ordinateur pardon, fait quand vous lui donnez une adresse IP et un masque pour savoir le réseau auquel ça appartient. Vous allez me demander pourquoi l'ordinateur a besoin de le faire ainsi. Eh bien parce que dans un LAN, quand vous transmettez un paquet, quand vous voulez envoyer des informations, vous, l'utilisateur qui est sur l'ordinateur, veut envoyer des informations à un autre ordinateur, et que vous voulez par exemple accéder à un serveur de fichiers qui est situé dans un autre sous-réseau. Dès que vous mettrez l'adresse, l'ordinateur, quand il fait ce et logique et voit que ah, cette adresse n'appartient pas à mon réseau, il fait appel à une notion, la passerelle. En anglais, on appelle ça gateway. C'est la passerelle que l'ordinateur utilise pour sortir de votre réseau. Et donc, chaque adresse que vous mettez qui n'appartient pas à votre réseau, l'ordinateur transmettra ce paquet à sa passerelle par défaut. Voilà, on va déjà s'en arrêter là parce qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos qui vont bien traiter du sujet. Et nous allons passer au suivant. Voilà, sur ce slide, nous avons une petite architecture réseau qu'on va utiliser pour pratiquer un peu les notions d'adressage. Les deux adresses qu'on a vues, les adresses IP et les adresses MAC. Comment est-ce que ça intervient quand Francis, par exemple, veut accéder à ce serveur depuis son réseau ici. Mais comme je me suis promis d'éviter des vidéos trop longues parce que ça devient très vite ennuyeux, nous allons arrêter celui-ci et continuer dans une prochaine vidéo qui va constituer la deuxième partie, traitant des protocoles et des adresses du modèle TCP/IP. Donc, on se dit à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Merci pour l'attention.